pick you up in boom, 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 she boom, boom, boom. Me, I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweet home. Oh, 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 life could be a dream. And I've been down, planned you from you. And I've been down, my whole life loving you. Life could be a dream, sweet home. Moi, j'ai fait des études littéraires. Le circuit Hippocagne, maîtrise de lettres, et après je suis devenue journaliste. Donc j'ai fait le centre de formation des journalistes et j'ai commencé d'ailleurs à écrire comme ça. Et puis ensuite, ça ne me suffisait pas et je suis devenue auteur. On apprend la mythologie, mais en fait non, c'est pas pour ça que je suis tombée dans la mythologie. C'est plutôt parce que petite fille, je fréquentais la mythologie grecque. Contes et légendes du monde grec et barbare chez Fernand Nathan il y a très 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 longtemps. Voilà, j'avais 7 ans, donc on peut considérer que c'est une formation. Hein. Mon désir, c'est de pouvoir être comprise et lue, puisque c'est fait pour être lu à voix haute aux enfants les plus jeunes. Ça commence en moyenne section de maternelle, hein, donc, mais que ça continue à intéresser tout le monde et c'est lu aussi dans les clubs de lecture des maisons de retraite. Donc évidemment, il y a un enjeu à faire ça. Bon, je ne sais pas comment je m'y prends, sauf que je suis à l'intérieur de mes personnages et je suis avec eux, on est à côté d'eux. Donc en fait, j'ai la même curiosité qu'eux pour faire découvrir ces histoires-là. Et puis, je me mets dans leur peau. Quand j'étais petite, mon livre de chevet, c'était Peter Pan. Et après, j'ai compris qu'un petit personnage avec des ailes aux pieds et qui volait partout, c'était un peu un copain d'Hermès. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans la poésie. Alors c'est difficile de vous citer tout le monde, peut-être Yannis Ritsos, Symphonie du Printemps.